Hey, salut tout le monde, c'est Darknex et aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay commenté sur Call of Duty Black Ops. J'allais dire Call of Duty Black Ops 2, mais non, pas encore, malheureusement. C'est bien, bel et bien pour parler de Black Ops 2 que je fais ce gameplay. Donc le trailer est sorti hier à 2h du matin, à l'heure où je commence cette vidéo, hein, vu que vous aurez cette vidéo un peu plus tard. Dans ce gameplay, je suis à la AK-47 silencieux, pillard, tour de passe-passe et ninja. Avec les killstreaks de Buzz, j'ai Blackbird, Huey et Hein. J'ai pas mis les chiens en cette partie. Et c'est pas ça le sujet, c'est juste pour faire un petit truc en fond. Ouais, donc on est là pour parler de Call of Duty Black Ops 2. Je vais mettre des images là dans pas longtemps. Maintenant. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le sergent Frank Wood qui était déjà dans Call of Duty Black Ops 1. Sur l'image de droite, on le voit dans Black Ops 1. Et sur de gauche, on le voit dans le trailer de Black Ops 2. Comme vous pouvez le voir, il est énormément vieux dans le trailer de Black Ops 2. Il dort dans les 90 ans, si on compte par rapport à Black Ops 1. Et vous pouvez voir qu'il a survécu, vu que dans le trailer il raconte un peu ce qui se passe. Je pense que dans la campagne solo, il racontera ce qui se passe et on jouera en même temps. Et il a survécu à l'explosion qu'il y a eu dans Black Ops 1 à mon avis, donc ça on n'en sait pas plus. Sinon, ce que j'ai pensé du trailer, c'est que pour moi ça va rafraîchir la série Call of Duty. De toute façon, ça va être clair et net, c'est soit il se plante totalement. Et la série Call of Duty elle est finie, soit ils ont un énorme succès et puis bien tant mieux pour eux, mais moi personnellement j'ai adoré ce trailer. Là je vous le mets en bas si jamais vous l'avez pas vu. J'ai adoré ce trailer, l'ambiance du jeu va être énorme. Il y en a plein qui trollent le jeu ou qui crachent déjà dessus alors que c'est qu'un trailer. Ça me dégoûte un peu, je vais aller sur le code QG en dessous le trailer. Il y en a un qui dit bande annonce avec un graphisme pourri, ça promet. Alors lui, il a de la merde dans les yeux, vu que moi, ce que j'ai vu du trailer, les graphismes, ils ont largement été augmentés au niveau des couleurs et tout ça. Ils pourront pas plus le booster, de toute façon, le moteur graphique. En dessous, il y en a un qui dit, en plus les vidéos gameplay de BF3, bof, encore sur Call of. Tu peux faire des Titanic, des 360, etc. Sur BF3, il n'y a même pas de couteau de lancer ou Tomahawk. Et les snipes, de la grosse merde. Lui, je sais pas pourquoi il parle de BF3, mais... C'est typiquement le genre de joueur qui sera plus présent sur Black Ops 2, étant donné qu'à mon avis, les snipers et les choses comme ça, ça sera plus trop d'actualité. Étant donné l'époque à laquelle Black Ops 2 se passe, je vous rappelle que ça se passe en 2025. Donc on peut pas parler de futur, on peut plutôt parler de d'avancement technologique. Enfin, c'est pas du futur, c'est, je sais pas, moi je dis pas futur, je préfère dire qu'à cette époque ils sont plus avancés technologiquement. Comme vous pouvez le voir, les avions et tout ça, c'est les robots, etc, etc. Je vais aller vous lire un truc vite fait sur jeuxvideo.com. Alors déjà, faut savoir qu'il y a le mode zombie qui a été annoncé, et sur judo.com ils disent le plus grand mode zombie de la série, donc je vais vous lire ce qu'ils disent. Le directeur du studio qui développe Call of Duty Black Ops 2 est particulièrement enthousiaste à l'idée d'évoquer le mode zombie du FPS. Pour lui, il s'agit purement et simplement du plus grand et ambitieux mode zombie que la série ait connu. Il promet donc une expérience hors norme aux fans du genre. Le mode zombie existe depuis Call of Duty World at War, sorti en 2008. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, j'en ai parlé à mes potes et ils sont contents de ça. Vous, je pense que ça sera pareil, les fans de zombies. Sinon, ils disent Black Ops 2 non linéaire. Dans le cadre de l'annonce officielle de Call of Duty Black Ops 2, le prochain épisode de sa fameuse série de FPS, Activision a affirmé que la campagne solo du jeu serait cette fois non linéaire. Qu'est-ce à dire? Oh là, ils sont plantés. Aurions-nous cette fois la possibilité de choisir entre deux couloirs au lieu d'un? Trêve de plaisanterie, ça devrait être bien mieux que ça. Même si elle sera toujours aussi scénarisée, la campagne solo vous donnera parfois la possibilité de choisir la mission suivante parmi plusieurs possibilités. Toutes situées dans des endroits précis du globe. Bref, vous pourrez choisir là où vous voulez frapper, mais aussi comment vous voulez frapper, puisque plusieurs approches différentes seront permises. Avec un déroulement différent à la clé, une même mission pourra ainsi être menée dans la peau d'un simple troufion
de façon plus moderne et plus technologique en pilotant à distance des drones et des engins robotisés. Voilà qui laisse augurer, mais c'est quoi, comment ils écrivent sur JVC, sérieux, augurer d'un gameplay plus varié et d'une campagne plus passionnante que jamais. Donc c'est une très bonne nouvelle, à mon avis, la campagne de Black Ops 2 promet, elle promet fortement. Et je la ferai sur ma chaîne, de toute façon, il n'y aura pas de souci avec ça. Donc pour Call of Duty Black Ops 2, au final, ce que j'en pense, c'est que c'est un Call of Duty qui va rafraîchir la communauté. Quand je dis rafraîchir, c'est ouvrir la communauté à des nouveaux joueurs et la fermer pour d'autres, vu que les Kikou, Trickshotter et tout ça vont bien rester sur leur série moderne Warfare, et nous on sera bien tranquille sur la série Black Ops sans les joueurs qui cachent un peu tout ça. C'est ce que je pense en tout cas. Il y en a, dites dans les commentaires ce que vous pensez de ça, mais moi c'est ce que je pense. Et je m'inquiète un peu pour les teams comme les FaZe et tout ça, les teams Sniper. Je sais pas ce qu'ils vont devenir, si c'est le cas, si ça sera comme je dis, mais on verra, on n'est pas rendu. Encore une fois, c'est qu'un trailer, et pour l'instant, ce que je pense du jeu, c'est très positif. Il y en a plein qui vont détester ce jeu, comme ils disent, mais ils verront bien quoi, ils l'auront dans les mains. Donc voilà pour Black Ops 2. J'y reviendrai si jamais il y a d'autres news, mais pour l'instant, il n'y a que ça. Maintenant, je vais parler de ma chaîne et de tout ça. Donc j'ai atteint les 100 abonnés il y a 2 jours. Merci à vous les gars, c'est super sympa. Bah là, à l'heure actuelle, on est à 114, donc 14 abonnés en une journée et demie, c'est impeccable quoi, je vous remercie. Et je voulais vous demander, parce que j'avais dit que j'allais faire une vidéo spéciale pour le 100 abonnés, et pour cette vidéo, je voulais jouer avec vous une après-midi et puis une soirée, pourquoi pas pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, et l'après-midi faire des parties en privé, puis faire 2 équipes de 6, ou ça dépendra combien on est, mais faire 2 équipes, je me mettrai en spectateur et puis je switcherai sur chacun de vous, puis je vous filmerai et je commenterai ça sur ma chaîne tout seul ou avec des potes, je verrai, enfin avec des membres de ma team quoi. Donc je pense que ça pourrait vous intéresser de vous voir sur YouTube. Moi, à l'époque, quand j'avais pas d'Avermedia, j'aurais aimé me voir sur YouTube jouer pour voir comment ça fait. Donc je vais faire ça, mais s'il y a assez d'abonnés qui veulent venir jouer. Donc si vous voulez participer, envoyez-moi ou laissez-moi votre gamer tag dans les commentaires. Et si je fais ça, de toute façon, ça sera le week-end le samedi ou le dimanche, je sais pas encore, du 12 et 13. Donc mettez-moi dans les commentaires votre gamer tag, j'enverrai une invitation d'amis, de toute façon je vous laisserai dans ma liste d'amis, y'a pas de souci avec ça. Je prendrai votre gamer tag, je vous enverrai une invitation. Et puis je vous retiendrai au courant avant de faire ça, et si on est assez, bah c'est cool, comme ça on fera des petites parties avec ma team et tout ça, et puis j'enregistrerai tout ça. Et puis pourquoi pas faire des longues conversations dans le groupe d'amis en même temps, pour apprendre à se connaître tout simplement, pour voir à qui regarde mes vidéos, et puis ce que vous pensez de ce que je fais, ça m'intéresse. Donc voilà, sinon ouais, en voyant le trailer de Black Ops 2, j'ai eu envie de refaire la campagne de Black Ops 1, et je sais pas pourquoi, j'ai une envie de la filmer hein, pendant que je la fais. Mais je pense pas que ça intéresse beaucoup de monde, étant donné qu'elle a été faite et refaite cette campagne, mais moi je m'en souviens plus. Donc je me dis que si moi je m'en souviens plus, vous en souvenez plus non plus. Donc c'est pareil, dites-moi ce que vous en pensez, ce serait cool que je fasse la campagne sur la chaîne quoi. Parce que moi je pense que ça m'éclaterait bien de revoir tout ça, je me rappelle plus du tout de l'histoire, je savais même pas que Woods il crevait soi-disant à la fin, vu que dans Black Ops 2 on voit qu'il est vivant. Mais moi je savais plus du tout que ça se passait comme ça, donc faudrait que je le refasse pour me remettre tout ça en place, et puis pourquoi pas enchaîner directement sur la campagne de Black Ops 2 quand il sortira. Je pense que ça peut être sympathique. C'est pas obligé que je la fasse maintenant, la campagne de Black Ops. Je pourrais la faire genre, je sais pas, 2 mois avant que Black Ops 2 sorte, pour enchaîner directement dessus, vous voyez.
Étant donné. Bah, la campagne de Black Ops 1, je sais plus trop combien de temps elle dure. Elle doit durer dans les 5h30, je pense. Comme tous les Call of, de toute façon. Donc, je verrai. Mais moi, ça m'intéresse. Ça m'éclaterait de la refaire. Puis de vous montrer tout ça en live. Donc, bientôt, là, il y a Ghost Recon qui sort. Je vais le faire en coop avec mon petit Green Sky 55. Que je te salue, mon petit connard. Regardez, là, je fais un petit arrêt. Il y a un mec qui me regarde désamorcer. Enfin, il me regarde pas, mais. Je sais pas, c'était marrant. Si je désamorçais pas la bombe, on perdait la partie. Faut quand même que je le signale. Donc, il me regardait, le gars. Enfin, bref. Donc, ouais, je vais faire la campagne coop de Ghost Recon Future Soldier avec mon petit Green Sky et en live. Je pense que ça va être bien marrant, que vous allez bien rigoler. Merci, je leur dis encore, mais merci aux gens qui s'abonnent, qui me découvrent maintenant. Y a pas de, si vous voulez m'ajouter sur la Xbox, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez votre GT. Bah, de toute façon, je vous ajouterai si vous voulez participer à la journée sans abonner. Puis je remercie tous les gens, Mister Edmond, ou si je prononce bien, hein, tu me mets des commentaires à toutes mes vidéos presque et tout ça, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que des gens s'intéressent à moi et tout ça, donc. Je vous remercie pour ça aussi. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à part que le gameplay que vous voyez là, c'est un petit massacre sur Black Ops. C'était ma deuxième partie avec Nico et Psychotic. On était revenu sur Black Ops un après-midi, puis on s'était bien défoulé en démolition, faire du petit spawn kill. C'est bien sympathique, mais c'est pareil, les spawns, c'est une question. C'est pas une question, un sujet tabou sur Call of Duty. J'espère que ça sera beaucoup mieux que dans le prochain Call of que ce n'est en ce moment. J'ai des petits kills là avec mon Makarov. Le Makarov, c'est une arme de poing que j'adore. Je vous rappelle que je suis en 106-2 moi sur Black Ops, donc comme vous pouvez le voir, des fois je me prends des murs, mais c'est normal. Là avec le snipe, je vais avoir un peu de mal à viser bien. Regardez, boum, je le loupe. Ah non, je loupe pas, je suis là dans le pied, mon ami. Donc voilà, Nico qui enchaîne avec sa MK14. Donc la partie se finit, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le commentaire. Et c'est tout, sinon je vous dis bah plus les gens. Salut! Oh putain, c'est Dark Next! Oh putain, s'il te plaît, ajoute-moi dans ta liste d'amis, putain, va voir! Oh putain, c'est Dark Next! Oh putain, je vais pas bien là! Oh!